Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ces polémiques. Une heure de débat chaque dimanche sur France 5 pour comprendre, échanger, confronter des idées. Imaginez, nous sommes le 7 mai 2017, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle, il est 20h. Et c'est le visage d'Emmanuel Macron qui apparaît sur toutes les chaînes de télévision. À 39 ans, il devient le plus jeune président de la Ve République. C'est un choc, un séisme politique. Personne n'avait imaginé que cet énarque, jamais élu, ancien banquier et surtout candidat hors des partis traditionnels, avait la moindre chance de l'emporter. Le lendemain, Libération titre « Macron, quelle histoire !» reprenant la célèbre formule de François Mitterrand en mai 81. Et le Parisien s'extasie avec cette manchette « Macron, la jeunesse au pouvoir ». Voilà le scénario imaginé par l'ancien ministre de l'économie. Un hold-up, en quelque sorte, et une défaite pour le système politique. Est-ce réaliste? Peut-il créer la surprise? Peut-il rassembler tous ceux qui en ont assez des candidats classiques? C'est un sacré pari, mais jamais une présidentielle n'a été aussi incertaine. Alors nous posons la question ce soir. Jusqu'où ira Emmanuel Macron? Voici nos invités. Christophe Castaner, député PS des Alpes-de-Haute-Provence. Il a rallié Emmanuel Macron pour devenir l'un de ses porte-parole. À ses côtés, Bruno Roger Petit, éditorialiste à Challenge, un magazine qui s'interrogeait récemment à propos de Macron avec ce titre « Et si c'était lui ?». En face, Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice socialiste de Paris, ancienne ministre, bonjour, qui représente l'aile gauche du PS, farouchement opposée à Emmanuel Macron. Salut. Et Michel Maffesoli, sociologue, spectateur attentif de la vie politique, il nous dira pourquoi, selon lui, Macron n'est qu'une bulle médiatique. J'ajoute que deux témoins nous rejoindront, la chef d'entreprise Sophie de Menton tout à l'heure et le journaliste François Ruffin. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Elles vous ont plu, les deux unes là, que nous avons présentées en introduction, les deux unes fictives du 8 mai 2017, la jeunesse au pouvoir et quelle histoire pour Libération ? Bruno Roger Petit, vous, l'homme de presse. Elles sont parfaites, surtout celles de Libération, c'est exactement ce qu'ils feront. C'est exactement ce qu'ils feront. Il reste un détail, il faut gagner la présidentielle. Christophe Castaner, mais dans vos rêves les plus fous, vous les imaginez, c'est une ? Moi, je ne rêve pas, je suis là, je suis sur le terrain avec celles et ceux qui s'engagent et se mobilisent pour Emmanuel Macron. Bon, pour vous, c'est plus un cauchemar, non, Marie-Noëlle Lienemann? Si vous voyez ça dans votre kiosque le lendemain du deuxième tour. Il y a plus grave, ce serait Marine Le Pen ou François Fillon, quand même. Ah, quand même. Dans l'ordre de gravité, vous mettez quand même Fillon et Marine Le Pen. Ouf. Michel Maffesoli, qu'est-ce que ça vous inspire, ces deux unes fictives, encore une fois? Le son typique de ce qu'est la bien-pensance journalistique, assez déconnectée de la réalité. Bien. Voilà qui donne le ton de cette émission. Emmanuel Macron poursuit sa campagne. Il était vendredi dans la Nièvre, hier à Clermont-Ferrand. Et pour la première fois cette semaine, un sondage Elab l'a placé au deuxième tour de la présidentielle, dans une configuration particulière, je le précise. Mais au-delà de ça, la classe politique semble vampirisée par ce candidat hors parti. Regardez tout de suite notre mot de la semaine. Le mot de la semaine, c'est « Pourquoi ?» Thierry Dagiral. Pourquoi ? Adverbe interrogatif qui interroge sur la cause et sur le but. Pourquoi n'est-il pas venu à la primaire ? Il en a peur ? Il ou Emmanuel Macron, l'énigme du moment à gauche. Je regarde cette identité politique, il faut le reconnaître, encore un peu floue, mais quand même avec intérêt parce qu'elle dit quelque chose de la France. Pourquoi ? Met en cause l'existence d'une chose dont on ne s'explique pas la raison d'être. Il a peur du vote des citoyens ? Et c'est ça que je lui reproche. Pourquoi ? Synonyme pour quelle raison ? Pour quelle cause ? Dans quel but ? Son assise sociologique, je la comprends pas. J'ai pas le sentiment qu'il y a un raz-de-marée Macron. Hein. Je n'entends pas de personne qui soit vraiment en admiration devant Emmanuel Macron. C'était... Pourquoi ? Conséquence de ce qui vient d'être expliqué. S'il était venu et qu'il pensait être le meilleur, il l'aurait emporté. Et on en serait retrouvé dans une situation où tout le monde se serait regroupé vers lui. C'est quelqu'un qui est tourné vers le futur, c'est qui essaye d'inventer le futur, qui connaît bien aussi les enjeux de la mondialisation. Pourquoi ? Quelle est l'explication qui l'amène à ne pas se présenter ? Annonce un développement destiné à expliquer un point précis. Il n'a rien dit. Si ce n'est quelques banalités, vœux pieux, et ainsi de suite. Emmanuel Macron, quand il aura un programme, je le commenterai. Il réunit essentiellement les déçus des uns et des autres, voire les désespérés. Emmanuel Macron, c'est surtout un problème pour la gauche. Au fond, qu'il parle dans les médias ou qu'il se taise, il est toujours au centre des discussions. Est-il en train de devenir le centre de gravité de cette campagne présidentielle ? Bruno Roger Petit. Bah,
Dans une certaine mesure, oui, parce que, contrairement à ce qu'on raconte, la clé de l'élection présidentielle, elle se trouve à gauche. C'est-à-dire que, suivant ce qui va se passer à gauche, on saura qui aura une chance éventuelle d'être au second tour de l'élection présidentielle à gauche. Donc on voit bien l'enjeu des semaines qui est en train de s'ouvrir. C'est-à-dire que vous avez, en ce moment, on vient de le voir là avec tout ce qu'on a entendu, vous avez une course qui consiste, et chez Macron et chez les socialistes, quand ils auront un candidat, à dire « la légitimité, c'est moi ». C'est moi qui suis devant, vous, tu dois te retirer. Et puis si on ne peut pas se retirer, on dira aux Français, d'un côté comme de l'autre, choisissez-moi parce que je suis devant. Aujourd'hui, le problème du Parti socialiste, c'est que c'est Macron qui est devant. Et que la bulle médiatique qui devait exploser depuis septembre, non seulement elle n'explose pas, mais elle persiste. Ouais. Et donc le drame auquel on est en train d'assister, c'est que le Parti socialiste vit probablement ses derniers jours d'hégémonie à gauche, sur la gauche réformiste, social-démocrate et le camp du progrès. C'est ça qui est en train de se jouer. Et dernier point, puis je laisse la parole aux autres, plus les socialistes disent « Macron, tu dois te retirer », moi je note que plus ils grimpent. Plus il grimpe. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaie de dire à Macron quelque chose qui serait contre-productif pour lui, alors, ça joue en sa faveur. Alors, on va essayer de comprendre d'abord, avant de voir ce qu'il peut faire éventuellement, est-ce qu'il peut gagner, comment il pourrait gouverner éventuellement, comment on est arrivé là. Marie-Noëlle Lienemann, est-ce qu'il a raison François Fillon quand il dit c'est d'abord le problème de la gauche et c'est d'une certaine façon la faillite du PS qui fait monter Macron? Ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron a pu émerger parce que depuis le début du quinquennat de François Hollande et sans doute bien avant au sein du PS, le PS ne s'est plus mis en situation d'être le parti qui portait l'unité des forces de gauche avec une capacité d'élargissement autour de ce noyau portant l'unité des forces de gauche. Et que quand on voit arriver au début du quinquennat François Hollande, qui ne fait aucun signe significatif en direction de la gauche de son parti, en particulier, par exemple, d'une femme comme Martine Aubry, pour la mettre dans le coup des choix à faire. Quand vous voyez qu'il néglige complètement nos amis communistes et l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, comme s'il avait pu être élu sans eux ou que c'était automatique qu'ils allaient voter pour eux, quand vous voyez la manière dont il prend ses distances avec un peu méprisante avec les Verts, en réalité, à partir du moment où le Parti socialiste ne se met plus en situation d'être l'acteur du rassemblement des forces de gauche et de son élargissement, pour répondre aux besoins des Français et de porter le changement, parce que l'autre raison, c'est qu'on était mandaté sur le changement, des individus comme Emmanuel Macron, qui ont été finalement porteurs de toutes les erreurs de ce quinquennat, puisque c'est lui qui avait fait tous les abandons et les renoncements. Alors, il faut rappeler qu'il était conseiller en fait, à l'Élysée, secrétaire général adjoint. Oui, et plus secrétaire général, pardon, vous avez raison. Puis ministre. Voilà, donc on voit bien que c'est ces choix qu'il a essayé de faire imposer, et c'est ces choix qui nous ont amenés dans le mur. Alors ça, c'est une explication politique. Michel Maffei-Soli, vous êtes sociologue. Donc, vous avez un regard sur Macron, parce qu'au fond, c'est un ovni, Macron. Pourquoi est-ce que les Français seraient séduits par ce personnage ? Bon, d'abord, il faut voir s'ils sont vraiment séduits par ce personnage, hein, puisque tout de même, parler des sondages, quand on voit ce à quoi renvoient les sondages, c'est quand même assez grave. Je veux dire, l'actualité n'est pas avare. Il y a eu un meeting Porte de Versailles, il y avait entre 10 et 15 000 personnes, il y avait du monde. C'est très bien, ça. Non, c'est très bien, mais il n'en reste pas moins qu'il y a 66 millions de Français tout de même. Donc c'est cela qu'il faut un peu regarder. Non, moi je pense qu'il est symptomatique du dévalement du politique. C'est-à-dire la théâtrocratie. C'est Platon qui explique que quand la démocratie ne fonctionne plus, il y a de la théâtrocratie. Mon ami. C'est quoi la théâtrocratie ? Alors, quand le théâtre devient le pouvoir. Très bien. Et c'est en méditant là-dessus que Guy Debord ou mon ami Baudrillard avaient parlé de la société du spectacle ou du simulacre. Et donc, dans le fond, c'est quelque chose qui fait que c'est ce qui explique le processus d'abstention. Moi, je veux bien les 15 000 participants, c'est important et c'est pas négligeable. Mais encore une fois. Il y a aussi un nombre de militants, des gens qui ont adhéré à ce mouvement. Ils sont plus de 100 000 maintenant. 135 000. Il faudra voir ce que ça. Il faudra voir ce que cela représente. Ça veut dire, on voit bien comment, en quelque sorte, ces sondages sont actuellement un peu partout démentis de par le monde. Et qu'on arrive à un résultat qui est autre que ce qui était prévu. Excusez-moi encore de le dire d'une manière un peu pédante, ça traduit en quelque sorte la sécession plébis. Le peuple fait sécession. Il y a une différence entre la pensée du palais
la pensée de la place publique. Et Machiavel a montré que quand il y avait cette différence-là, eh bien, c'est que on n'avait plus des valeurs communes. C'était le début de la guerre civile. Moi, de mon point de vue, encore une fois, pas d'un point de vue politique, moi, je ne suis ni pour ni contre, hein, comprenez-moi bien. Non, on a déjà convoqué Platon et Machiavel en ce début d'émission. Écoutez, c'est parfait. Christophe Castaner, vous avez, je rappelle, vous êtes député socialiste, vous avez rallié Emmanuel Macron. L'histoire de la bulle, ça c'est un mot qu'on entend effectivement depuis des semaines, des mois. Pour vous qui êtes sur le terrain, c'est une bulle ou c'est pas une bulle ? C'est clairement pas une bulle. Moi, je me fiche un peu des sondages. La question n'est pas celle-ci. Mais c'est cette mobilisation. C'est les gens qui viennent, qui reviennent à la politique. C'est ça qui est intéressant. Oui, les gens ont rejeté ce jeu de théâtre dans lequel on les a enfermés entre la droite, la gauche, le fait qu'on était préparé déjà à perdre la prochaine élection présidentielle en se disant c'est pas grave, nous reviendrons en 2022. Tout ça, c'est terminé. Les gens, effectivement, tapent du poing sur la table. Quand vous avez 3145 comités locaux qui se constituent partout en France pour parler autour du projet politique d'Emmanuel Macron. 4000 événements ces dernières semaines qui ont été organisés un peu partout en France. Quand vous avez dans les villages, dans les villes, j'étais il y a un peu plus d'un an candidat à une élection régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand j'allais faire un meeting, même à Marseille, je pouvais embrasser les deux tiers des gens de la salle parce que je les connaissais. Aujourd'hui, la moindre réunion organisée par En Marche, sans leader politique, va rassembler 200, 300, 400 personnes. Ce week-end, on l'a vu, il a été dans les terres de François Mitterrand. Il a fait plus de monde que François Mitterrand dans sa campagne de 1981. Enfin, c'est pas une question de sondage. Il y a un vrai mouvement politique, un mouvement fort aujourd'hui pour dire qu'on a besoin d'une autre aspiration. Et très clairement, Emmanuel Macron est placé dans le jeu de façon centrale dans le jeu politique. Marie-Noëlle Lindemann ? Oui, enfin, je trouve très drôle qu'on dise qu'il y a moins de monde qu'aux élections de 80 pour François Mitterrand. Je rappelle qu'il a été élu président de la République et par ailleurs deux fois. Donc ça montre bien que la réalité des présences dans les meetings n'est pas toujours révélateur. Nos amis de la Ligue communiste révolutionnaire ont fait toujours d'énormes beaux meetings sans obtenir forcément des lois. Moi, je ne suis pas insensible au fait qu'il y ait des gens qui se mobilisent autour d'Emmanuel Macron. Ce que, de mon point de vue, ça révèle, c'est qu'ils ne trouvent plus ailleurs la manière dont ils pourraient être partie prenante des choix politiques et des orientations du pays. Et donc, nous ne pouvons pas répondre à cela en disant « bande de nuls, vous vous laissez égarer ». En revanche, je leur demande, à eux comme à tous les Français, et je crois que par rapport à ce que vous dites sur le théâtre dans lequel nous sommes un peu plongés, allons au fond des débats. Moi, si j'ai des désaccords avec Emmanuel Macron, c'est sur ses choix politiques. Mmh. Et il ne faut pas passer notre temps à commenter le phénomène Macron pour se dispenser du débat d'orientation majeur. Vous avez entièrement raison et on va s'intéresser dans cette émission justement aux idées. Mais alors, un dernier mot avant de refermer ce chapitre sur le phénomène. On a compté 36 unes de magazines en 2016. Bon, c'est quand même stupéfiant. Les médias se sont emparés de lui. Et d'ailleurs, il a raison, Bruno Roger Petit, de flirter comme ça avec la presse people, ça fait un peu vieille recette. Ça fait un peu vieille recette, sauf que quand Paris Match le met à la une, trois numéros, les ventes grimpent de 30 à 50%. Donc, vous connaissez nos confrères, on est tous pareils. Quand il se passe quelque chose, qu'on le sent et que ça marche, on le met à la une. C'est là où il y a une ambiguïté d'ailleurs, parce que j'entends souvent candidat des médias. Oui, mais pas soutenu par les médias. Parce que quand vous regardez un certain nombre de journaux qui le mettent à la une, je mets de côté la presse people comme Paris Match, mais les journaux plutôt politiques, c'est toujours très critique. L'Obs l'a mis à la une cette semaine, c'est assez critique sur parcours personnel, sur les secrets d'Emmanuel Macron. Les secrets, l'argent, etc. Donc c'est pas tout à fait le candidat des médias porté par les médias. C'est le candidat qui intéresse les médias parce qu'il se passe quelque chose autour de lui, mais qui reste tous extrêmement critiques. C'est-à-dire la presse, contrairement à ce qu'on raconte, n'est pas macroniste ou macronienne. Oui, ça a énervé Aurélie Filippetti, hein, qui, l'ex-ministre de la Culture, qui cette semaine s'est fendue d'un tweet pour dénoncer cette multiplication des unes de magazines. 6 pour l'Obs, disait-elle. Elle parlait même d'obsession. Regardez, j'ai d'abord cru à une blague, mais non. Après 6 unes sur Emmanuel Macron en 2016, l'Obs franchira-t-il un nouveau record? Il y a une obsession, selon elle. Je voudrais juste, avant d'accueillir Sophie de Menton, demander à Christophe Castaner. Vous avez fait la bascule, mais vous êtes toujours au PS. Juste un clin d'œil d'abord. Vous avez rajouté 2 unes pour le cauchemar d'Aurélie Filippetti au début de cette émission. Donc, très clairement, c'est cette attractivité
qui fait que les gens viennent à Macron et reviennent à la politique. Alors oui, pour répondre à votre question, moi je suis toujours socialiste. Et c'est aussi parce que je suis socialiste que je suis avec Emmanuel Macron. Je suis rentré au Parti Socialiste par et pour Michel Rocard, par ce besoin d'être réformiste. Et j'ai bien senti les limites dans la mandature, je suis député sortant, les limites qui nous ont empêchés d'aller plus loin quand il fallait aller plus loin. Ils l'ont mal pris, non, vos camarades socialistes, là, quand vous avez annoncé votre ralliement ? Écoutez, il y a eu des pressions, il y a eu bien sûr, intimidation. Non, mais il y a une règle. Menace sur la circonscription. Bien sûr, il y a eu tout cela, mais c'est une règle. Si je m'affranchis de la règle, il ne faut pas non plus que je joue les pleurnicheuses et que je dise, mon Dieu, on veut m'exclure, on veut me suspendre. Je dois l'assumer. Marie-Noëlle Lindemann, vous comprenez qu'il reste au PS ? Franchement. Enfin, non. Enfin, il me semble au bout d'un moment, on prend ses décisions. Moi, je ne pense pas qu'on puisse être soutien d'un candidat qui n'est pas celui de son propre parti. Et d'autant plus que Emmanuel Macron ne se présente pas comme simplement un des courants socialistes qui veut se présenter devant les Français. Il dit ni gauche ni droite. Non, il dit qu'il est de gauche. Il a toujours dit qu'il était de gauche. Il faut bien le chercher. Moi, ma thèse personnelle, c'est et de droite et de droite. Alors moi, j'écoute Emmanuel François Macron. Mitterrand. Je lui prête pas des propos. Non, mais moi, je l'écoute aussi parce que j'ai débattu très sérieusement avec lui au Sénat. Je respecte cet individu. Enfin, ce monsieur. je dis pas cet individu parce que j'ai plutôt de l'estime pour Emmanuel Macron et je n'ai pas du tout apprécié un certain nombre de coups bas qu'on lui faisait. Donc, personnellement, pas du tout. Simplement, je dis que sur le fond. Je ne vois pas beaucoup ces fondamentaux. Mais surtout, Christophe, comment tu peux trouver que tu vas construire l'avenir de la France avec Jean Arthuis, qui par ailleurs lui aussi un homme très respectable, sénateur que j'ai connu longtemps, qui est un centriste, mais qui était quand même l'homme du pacte de stabilité européen. C'est puisque c'est lui, en tant que ministre des Finances, qu'il a négocié pour le transformer en ce fameux traité d'Amsterdam. Lui qui passe son temps à nous faire de la restriction budgétaire et de la flexibilité. Alors on va le laisser répondre. Alors moi, je veux bien qu'il y a, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnalités centristes de droite qui ont rejoint Emmanuel Macron, ça ne vous pose pas de problème ? Non, mais très clairement, si il faut examiner la décision prise par une personne il y a 10 ans pour dire qu'il est exclu du monde politique, etc., je me dis que ni Arnaud Montebourg, par exemple, ni Benoît Hamon peuvent, parce qu'ils étaient ministres de François Hollande, avoir une expression politique. Moi, très clairement, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ceux qui rejoignent Emmanuel Macron, mais parce qu'ils ont envie qu'on dépasse les clivages. Ces clivages qui étouffent la vie politique, qui nous ont empêchés de mener les réformes nécessaires pendant 5 ans. C'est ça l'enjeu. Et si l'enjeu passe effectivement par rassembler des gens, c'est tout le débat. C'est le cœur du sujet. Je voudrais avoir votre avis à tous les deux, justement, effectivement. Ni gauche, ni droite, est-ce que c'est ça, au fond, qui explique vraiment le phénomène Macron et qui fait qu'il rallie autant de monde. Michel Maffesoli. Là-dessus, je ne sais pas si je pourrais répondre parce que je ne suis pas compétent pour voir ce qu'est la gauche ou ce qu'est la droite. Je crois et l'un et l'autre sont dépassés. Nous ne sommes plus dans un moment, si vous voulez, ce qu'on appelle la postmodernité ne se reconnaît plus sur le contrat social où c'était le socialisme ou la propriété. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu actuellement, qui est important. Mais j'aimerais plutôt répondre sur votre remarque préalable. Le fait que la presse, je ne sais plus combien de une... 36. Ça montre tout simplement ce que je dis depuis tout à l'heure Machiavel, c'est-à-dire la déconnexion de l'intelligentsia par rapport à la réalité. Alors certes, il peut y avoir des groupes, des petites tribus, des 3000 quand vous allez à Fort-Calquier ou ici ou là, ou à Merci Marseille, d'en parler. Tout à l'Avenant, etc. Moi, je reviens de mon village, je suis d'un petit village de l'Hérault. Et je dois vous avouer que Macron ne mobilise pas. Et là, c'est le peuple aussi. Ce pour dire, si vous voulez, que c'est la presse qui est déconnectée. Ce sont les journalistes, comme les politiques, comme les intellectuels ou les experts. Et c'est cet entre-soi qui pose problème. Alors que dans cet entre-soi... Qui mobilise dans votre petit village de l'Hérault, alors ? Personne ? Pas grand monde. Ah, vous voyez ? Pas grand monde. Oui, mais regardez donc, ce que dit... Alors, Bruno-Roger Petit, sur ce ni gauche ni droite, et après on accueille Sophie Monteau. Une remarque sur ce que vient de dire Michel Maffesoli. Si Macron ne faisait vendre aucun journal, il y a longtemps qu'il aurait disparu de la une. Oui, mais ces journaux... Oui, mais il y a des gens qui font vendre. Ça, c'est une règle. C'est la règle de base du journalisme, c'est la proximité. Ces journaux, ce sont des bulletins par ratio. Ouais, c'est tout, c'est-à-dire que représente... Il y a des centaines de milliers de lecteurs qui lisent Paris Match chaque semaine. 500 000, 600 000 lecteurs. Non, mais c'est déjà énorme, vous savez. Je voudrais juste... Sur François Mitterrand, c'est ça qui est intéressant. En 1988, qu'est-ce qu'il fait, François Mitterrand ? Il fait exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Pas du tout. La France unie. C'est-à-dire qu'il dit, la gauche repliée sur elle-même, ça ne fait pas une majorité.
Il faut élargir, il faut ouvrir. Et moi, je me souviens très bien du premier meeting de Rennes de François Mitterrand devant des militants socialistes et sympathisants socialistes, leur disant « il va falloir s'ouvrir, il va falloir accueillir des gens du centre et de la droite ». Et les militants, sifflant, et Mitterrand leur disant « si, si, souvenez-vous, Marine, si, si », disant « nous ne sommes pas les bons, ils ne sont pas les méchants ». Nécessairement. C'est exactement ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est une opération France Unie. On va y revenir ensemble, on va accueillir tout de suite. Parce que justement, il rassemblait la gauche d'abord, Mitterrand, pour élargir. Tout à fait. Or, ce n'est pas du tout ce que fait Macron. Avec des ministres de droite. Il essaie de fracturer la gauche pour aller chercher à droite. On va continuer à en parler, Marie-Noëlle Lienemann. Et on accueille tout de suite Sophie de Menton. Vous êtes chef d'entreprise. Le grand public vous a connu en tant que grande gueule sur RMC. Vous avez des idées plutôt libéral, on peut le dire. En tout cas, vous défendez l'entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et vous soutenez Emmanuel Macron. Alors, attention. Je soutiens Emmanuel Macron. Je suis séduite par Emmanuel Macron. Mmh. J'ai assez confiance dans Emmanuel Macron. Le mouvement éthique que je préside a soutenu François Fillon dans son programme, avec son livre programme qui nous semblait le meilleur pour l'entreprise. Donc, je pense que je représente pas mal de chefs d'entreprise et de gens de toutes sortes qui, franchement, quand on leur demande aujourd'hui, et oui, et puis il y a Macron. Donc ceux qui voteraient Fillon ont encore cette hésitation. Il y a une espèce de valse hésitation. Et il y a deux hommes. Oui, c'est pas la même valse. Alors c'est pas la même valse. C'est pas la même valse. C'est un tango, valse. Oui. Pardon de vous couper, mais je vous imaginais très à droite. Je ne suis pas à droite du tout, j'aime pas la droite. Je suis libérale. Et je vous imaginais voter Fillon, vraiment, là, avec un. Il a un programme quand même. Il n'y a personne à droite dans ce pays. Attendez, qui pourrait vraiment vous séduire? Le programme de Fillon m'a totalement séduit, j'ai voté Fillon. Donc ça, c'est acquis. Maintenant, ça continue l'histoire. Oui, et alors, je suis pas du tout. Quand je vous écoute, je ne me retrouve pas. J'ai l'impression que les Français sont peut-être un peu comme moi. Quand vous parlez de la technique de Mitterrand en 88, mais on s'en fiche complètement. Le monde a changé. C'est fini. Vous avez un nombre de sujets qui sont aussi bien à droite qu'à gauche. Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Alors, d'abord, il nous a sauvés. Quand je suis rentrée dans son bureau à l'Élysée. Emmanuel Macron, il était à l'Élysée, il était secrétaire général adjoint et je représentais un mouvement patronal. Donc, dans les mouvements patronaux, mauvais système français, on passe notre vie à traîner pour essayer de leur faire comprendre quelque chose. Donc, j'étais dans les couloirs à l'Élysée et j'ai rencontré Emmanuel Macron. Alors, immédiatement, ce qui m'a totalement séduit, c'est la capacité d'écoute sincère qu'il a eue. En plus, je n'ai pas été de ma morte. J'ai dit qu'ils étaient en train de tuer les entreprises, que ce début était effroyable de quinquennat, que ça faisait 2 ans que c'était punitif. Et j'ai l'impression qu'on a eu un sauveur, objectivement. C'est ce que ressentent le monde de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il ferait pour l'entreprise, Emmanuel Macron, s'il était élu en mai 2017 Alors, ce qu'il ferait, c'est justement le problème. Ce que c'était. Pourtant, il n'a pas une énorme expérience d'entreprise. Oui, enfin, je vais vous dire, le type qui monte sa boîte comprend tout de suite ce que c'est. Le type qui a été dans une boîte comprend tout de suite ce que c'est. Il n'y a que ceux qui n'y ont jamais mis les pieds, comme les ministres actuels, qui quand même ont un peu plus de mal. Donc, je crois qu'il a compris en tout cas le désarroi. Il a compris qu'on n'entreprenait plus, qu'on n'engageait plus, qu'on était figé. Il a compris ça. Et il y a, ce qui est très intéressant. Concrètement, qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que c'est son discours, par exemple, sur les cotisations? Il dit, il faut enlever les cotisations. D'abord, j'étais dans son bureau quand il a inventé, entre guillemets, le CICE. Oui. Parce qu'on avait des charges terribles. Et il n'arrivait pas à baisser les charges et à convaincre le président de la République de le faire. Et je me souviens très bien d'une de ses phrases disant, mais si on vous proposait un accord, enfin, il cherchait vraiment. Si on vous proposait un accord, est-ce que vous vous engageriez à créer des emplois? Alors, j'ai dit, écoutez, on ne peut pas s'engager à créer des emplois, mais oui, bien sûr qu'on est prêt à faire tout ce qu'il faut. Et donc, le CICE. Ensuite, il y a Vous dites que c'était 2 ans, ça faisait 2 ans qu'on était au pouvoir. Je vous rappelle que le CICE était créé dans la première année, en 2012. Alors, c'est peut-être avant. Le rapport Gallois. C'est peut-être avant. Un peu plus tard. Il a été annoncé à la suite du rapport Gallois. Il a été annoncé. Je vous laisse la chronologie. De stabilité qui a été. Je vous laisse la. Oui, c'est peut-être ça. C'était le deuxième état. Il y a quand même une photo, là. Je mets de côté Bruno Roger Petit, qui a une neutralité journalistique. Mais la photo Christophe Castaner, Sophie de Menton, bon, elle peut surprendre. Ah non.
Moi, je ne suis pas gêné. Ça fait de longues années que je pense que l'emploi se crée dans l'entreprise. Et que favoriser l'entreprise, c'est nouveau, c'est pas ce qu'il favoriser dit. Les patrons. C'est tout simplement faire en sorte qu'on puisse créer de l'emploi dans ce pays. On sait bien qu'aujourd'hui, la question du prix du travail ou du coût du travail est trop élevé. Comme on sait aussi que les rémunérations sont trop basses. Emmanuel fait deux propositions. Une pour le pouvoir d'achat des salariés, par un transfert de charges, et une pour effectivement faire en sorte que les plus bas salaires soient sans charge, et notamment sur la question du SMIC, parce que si on veut créer de l'emploi, il faut faire confiance aux entreprises. Et je continue à faire confiance aux entreprises pour créer de l'emploi. Oui, ben écoutez, il faut assumer quand on est de droite, quoi. Enfin, je veux dire. Mais c'est quoi cette caricature? C'est quoi? Absolument. Je vais d'abord. Il y a que la droite qui aime l'entreprise. Oui, non, mais non, justement, moi j'aime l'entreprise. Je veux dire, et on est de gauche que quand on crée des emplois dans la fonction publique. On laisse parler Marie-Noëlle. Et je sais ce que c'est, les déclarations URSSAF, on paye l'URSSAF avant d'avoir touché le moindre chiffre d'affaires, et j'ai fait des propositions dans ce sens. Mais l'entreprise, ça n'est pas simplement les chefs d'entreprise, c'est aussi les salariés. Oui, c'est une communauté humaine. Tout à fait. Deuxièmement, il y a un vrai débat en France qui est de savoir, il est vrai qu'un certain nombre de nos entreprises, notamment celles qui exportent et qui sont confrontées à la mondialisation libérale, qui ont... La mondialisation libérale. Bon, c'est un vocabulaire, oui. Mettons la mondialisation, tout le monde a compris qu'elle n'était quand même pas planifiée, ni même régulée beaucoup. Bon, donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un certain nombre d'entreprises, et on nous explique, que cette compétitivité... C'est qui ont c'est vous, oui. Les libéraux, et la droite, historiquement, nous explique que notre handicap majeur, c'est le coût du travail. Même le rapport Gallois, qui parlait de cette question, mettait en exergue d'énormes autres blocages. Énormes autres blocages, en particulier l'absence de politique industrielle. Non. Évidemment, on n'est pas d'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'Emmanuel Macron a été celui qui... dans l'entourage de François Hollande, puis au gouvernement, a été celui qui dit qu'il faut renoncer à l'orientation qui avait été prise, qui disait pas d'aide publique aux entreprises sans contrepartie et ciblage, pour dire baisse générale du coût de travail et vous verrez un avenir radieux se présente à la France. C'est une caricature, pardon. Nous n'avons pas gagné en compétitivité industrielle. Oui. Alors je vais vous dire. Et nous n'avons pas créé d'emploi et on a payé par nos impôts 41 000. Alors, on laisse répondre ça, c'est un discours, pardon, mais qui est vraiment caricatural et qui est vraiment abstrait. Il est très. Je vais vous dire, les chefs d'entreprise n'en peuvent plus. Là, le pays qui s'est réconcilié avec ses chefs d'entreprise, 84% des Français ont envie que leurs enfants soient entrepreneurs. Les politiques ne peuvent pas supporter les chefs d'entreprise. Disons-le. On est des esclavagistes. Mais pas tous. On est coupable de pénibilité, de créer la pénibilité. Alors. On a tous les matins de nouvelles contraintes. Excusez-moi. Non, mais j'explique que c'est pas que ça. 400 lois pendant ce quinquennat. Bruno Roger Petit. Moi, quand j'entends ce film Menton, je perçois une ambiguïté quand même. C'est-à-dire que vous nous dites, j'ai voté François Fillon, je suis très contente d'avoir voté François Fillon, il a gagné, c'est formidable, c'est la droite comme je l'aime. C'est ça comme ça. Bon, en tout cas, vous avez voté François Fillon. Mais il y a une élection demain. Oui. Demain. Vous votez pour qui au premier tour? Demain. Vous votez François Fillon ou vous votez Emmanuel Macron? Aujourd'hui. J'hésite. Eh bien oui, j'hésite, ça arrive. Et puis il y a beaucoup de gens qui hésitent. Mais c'est pour ça que Emmanuel Macron est peut-être une bulle. Peut-être. J'attends qu'il précise. Avant d'accueillir François Ruffin, juste un mot. Michel Maffesoli, ce besoin de réforme, ce besoin comme ça de changer les choses, comment est-ce que vous l'analysez lorsque vous voyez ce que fait, ce que propose pour l'instant Emmanuel Macron? Moi, je ne suis pas compétent. Il faut que monsieur nous dise un peu ce qu'il en est de son programme. Moi, je le comprends pas très bien. Sinon, que sur un point particulier, par exemple, je considère que, dans le fond, il n'innove pas énormément. Et il reste sur une idée qui, je vous prie de m'excuser, me paraît un peu désuète, l'idée du progrès. Oui. Voilà une idée qui fleure son 19e siècle, ce mythe du progrès. Alors que ce qui est en jeu actuellement, excusez-moi madame, dans l'horizon, je discute très souvent, et peut-être vous le savez, avec beaucoup de chefs d'entreprise, je vais faire souvent des conférences. Vous connaissez tout à fait. Je le sais. Et je vais faire des conférences pour pas mal de chefs d'entreprise, et ce que je dis... Maintenant, je leur dis à eux et j'apprends beaucoup. Non, c'était sur le mot progrès que je... Je pense que le progressisme est dépassé, la progressivité, c'est autre chose. Il y a une nuance sémantique. Le progrès, c'est que demain, on rasera gratis. Il y a un linéarisme. La progressivité, c'est quelque chose qui va allier la tradition
et le développement technologique. Voilà ce que je veux dire. C'est que d'une certaine manière, là où il reste quand même, de mon point de vue, désuet, puisque j'ai employé ce terme, c'est qu'il reste sur le logiciel propre au 18e et au 19e siècle, c'est-à-dire le développement, encore une fois, linéaire de ce qu'est la société, alors que, bon, moi je suis un théoricien des tribus, c'est-à-dire des communautés. Je considère qu'Internet aidant, il y a une horizontalité, en quelque sorte, il ne se reconnaît plus dans ce qu'était simplement le progrès. Et là, je pense qu'il n'est pas performant. Voilà, en caisse, voilà si vous voulez, sur le fond, fondamentalement. Alors, nous... Dans quel sens, dans le fond, ce n'est pas un homme innovant, mais reste dans le système. Nous accueillons François Ruffin. François Ruffin, vous êtes journaliste, activiste, rédacteur en chef du journal Fakir. Votre documentaire « Merci patron » a connu un grand succès. Vous êtes aussi des instigateurs de Nuit debout. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous n'avez pas de mots assez durs hein, pour Emmanuel Macron. J'ai lu plusieurs interviews dans lesquelles vous, vous évoquiez notamment Emmanuel Macron en disant qu'il est une caricature de la démission des élites. Et pourtant, il plaît. À combien de personnes, c'est difficile à dire, mais il y a quand même un engouement autour de lui. Je rappelle, c'est 10 à 15 000 personnes à son meeting Porte de Versailles fin décembre. Comment est-ce que vous vous l'expliquez ? D'abord, il plaît à Sophie de Menton. C'est-à-dire que c'est la gauche... Une catastrophe pour lui, c'est oui, ça ? Oui, mais c'est la gauche comme l'aime la droite. C'est-à-dire que c'est la droite. Donc voilà, ça, c'est le premier point. Et donc, ensuite, moi, je voudrais... Et qu'il ne vous plaise pas est une bonne nouvelle. Mais, Madame de Menton, je ne suis pas intervenue quand vous parliez, donc je vous prie non, de... Non, n'étiez pas là. Oui, bah, oui, je vous prie de ne pas m'interrompre. Vous l'interpeller, d'accord. Donc d'accord. Je vais répondre. Et voilà, et donc, moi, il y a un truc chez Macron, c'est partons du réel, il faut partir du réel, retournons au réel. Retournons-y au réel. Moi, je me suis rendu à Saint-Vincent-de-Mercuse, qui est dans l'Isère, et je suis allé rencontrer les salariés de la boîte Ecoplat, dont l'entreprise a été pillée successivement par la banque Barclays, par des fonds de pension anglo-américains, puis par un financier sino-australien qui s'appelle Jerry Ren. Et pendant tout ce temps-là, donc ça a duré 2 ans, leur calvaire, ils ont écrit des courriers au ministère de l'économie, qui était à l'époque habité par Emmanuel Macron, mais aussi ils en ont écrit au président de la République, qui a transmis les courriers à Emmanuel Macron, à Emmanuel Valls, qui a transmis les courriers à Emmanuel Macron. France Aluminium, la fédération donc patronale, a écrit à Emmanuel Macron. Le sénateur, la sénatrice, le député, tout le monde a écrit à Emmanuel Macron. Et pendant 2 ans, il y a eu 0 réponse. Alors, Madame de Menton veut voir Emmanuel Macron. Elle le rencontre très rapidement dans les couloirs de l'Élysée. Des salariés... Qu'est-ce que ça traduit, selon vous ? Expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est symptomatique, selon vous, de ce que veut faire Emmanuel Macron, cette affaire ? Et je précise que votre T-shirt, j'ai cru voir Ecoplat. Oui. Voilà, c'est un des symboles donc, de ce combat. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, ça n'a pas été simplement une négligence ou une façon de ne pas répondre, mais une volonté de ne pas répondre. Ouais, je pense qu'il y a une volonté où, inconsciemment au moins, il y a le fait que ce soit des salariés, en plus des salariés qui proposent une reprise en société coopérative. Et donc, évidemment, si ça avait été... D'ailleurs, Jerry Ren, l'actionnaire sino-australien, a été, lui, reçu par un collaborateur d'Emmanuel Macron. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a cette phrase d'Emmanuel Macron qui considère que ce serait une grossière erreur de protéger les entreprises et les emplois existants. C'est-à-dire que, finalement, sa fabrique, c'est de l'industrie, c'est des machines, c'est des trucs vieux, même s'il y a un marché, hein, le problème n'est pas là. Mais pour lui, la nouveauté, c'est la French Tech, c'est les start-up, là-dessus, on va mettre le paquet, et non pas sur les filières industrielles. Et enfin, il y a sa vision de la réforme. Lui, ce qu'il faut réformer, par exemple, moi je suis favorable à des réformes, mais il faut réformer le Code du travail, il faut réformer le tribunal des prud'hommes. Il en met un bout dans sa Macron 1, il voulait faire une Macron 2, bon, c'est pas passé, il en a remis un bout dans la loi travail. Moi, je pense qu'en l'occurrence, sur ce dossier-là, il fallait s'appliquer à réformer les tribunaux de commerce. Et comme ça ne répond pas à son idéologie, c'est un homme qui prétend partir du réel, et en vérité, qui a une vision extrêmement idéologique des choses. C'est ça que je veux comprendre avec vous ce soir, c'est vous ne lui reprochez pas, au fond, d'être ultra-libéral, puisque c'est ce que vous décrivez, mais de faire croire qu'il ne l'est pas, ou de faire croire qu'il est de gauche et de droite. C'est ça que je comprends. Vous savez, c'est le principe de la chauve-souris. Regardez mes ailes, mais non, je suis une souris. Regardez mes pattes, mais non, je suis... Enfin, vous voyez, je suis un oiseau, quoi. Donc, voilà. Mais là, moi, je ne vois pas... Juste, je vous donne la parole dans un instant. Il y a deux sujets sur lesquels vous pourriez... Bon, ça, c'est difficile à imaginer, mais vous rejoindre, c'est le côté... Allez, chercher. Anti-système. C'est le côté anti-système et le côté en dehors des partis traditionnels.
Oui, ben, de toute façon. Ça, ce sont deux choses que vous revendiquez aussi. Nous avons rencontré Emmanuel Macron, finalement, avec les salariés d'Ecoplan, puisqu'on allait l'interpeller non plus au ministère de l'économie. Il a envoyé sa lettre aux salariés. Il a finalement envoyé une réponse aux salariés. C'est le jour où il est parti du ministère de l'économie en disant, voyez ça avec mon successeur. Donc voilà. Mais, donc, on est allé le voir au QG de En Marche. Et on a eu une discussion qui était très sympathique, voire rigolote, avec Emmanuel Macron. Donc, il s'agit pas là de mettre en cause l'homme, mais bien ce qui sont ses positions idéologiques. Quand j'entends que, voilà, c'est l'homme qui a fait le CICE, en effet, c'est l'homme qui a fait le CICE. Les bilans du CICE par le gouvernement lui-même, par France Stratégie, c'est quoi? C'est 20 milliards d'euros donnés chaque année aux entreprises pour 100 000 emplois créés, c'est-à-dire 200 000 euros par emploi. Non, mais c'est un gâchis considérable. Alors, on vous a entendu. Je voudrais donner la parole à Christophe Castaner maintenant. Je vous en remercie parce qu'on est dans la caricature totale. Monsieur Ruffin, vous étiez où en mai 2015 quand moi j'étais aux côtés de François Brottes, député, et que nous recevions avec le cabinet d'Emmanuel Macron les syndicalistes et les salariés d'Ecoplan? Vous étiez où au moment où on a voté la loi Macron, justement, que vous décriez tant, qui a prévu dans son texte la cession forcée de la part de l'actionnaire quand celui-ci ne joue pas le jeu? Et si jamais ce dispositif a été mis en œuvre, s'il avait pu être opérationnel, au moment où le tribunal de commerce s'est prononcé, nous aurions pu forcer l'actionnaire. C'est prévu dans la loi Macron, c'est ça la réalité. Alors oui, Emmanuel Macron, il a fait son boulot de ministre. Il a fait une loi qui prévoit la cession forcée quand l'actionnaire joue pas le jeu. Alors moi, je veux bien que vous utilisiez Ecoplan comme un fonds de commerce, mais je peux vous dire que non seulement il les a reçus avec vous, mais en plus, il a été sur place. Il les a rencontrés sur place. Et l'ambiance n'était pas mauvaise. Alors cherchez pas à caricaturer la totalité des faits. Un ministre, ça fait quoi? Ça prépare des textes, ça accompagne les entreprises et ça fait des lois. Dans la loi Macron 2, il y a la cession forcée. C'est quelque chose qui permet justement de sanctionner tout ce dont vous parlez et sur lequel, pour le diagnostic, je suis d'accord avec vous. Juste rappeler, c'est fait dans cette entreprise. C'est dégueulasse. Juste rappeler que Ecoplan, pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas, c'est une petite entreprise qui est dans l'Isère, voilà, qui fabrique des barquettes en aluminium, qui donc a été au centre de ces discussions. Bon, vous n'étiez pas au courant de ce que disait Christophe Castaner. Les salariés n'ont pas été reçus par le ministère de l'Économie. Le cabinet du ministre est présent à nos côtés. On peut tomber dans le piège. Non, mais qui peut croire encore que les ministres, en se déplaçant, vont aller sauver des boîtes? Je veux dire que c'est ça le problème français. C'est fini cette période. Bon, alors, je finis. On peut la laisser finir. La SET à Saint-Jouard. Enfin, s'il vous plaît. La SET, vous a écouté attentivement. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, une boîte qui ne va pas bien, ce n'est pas parce que le ministre va aller les voir. Ils ont tous été les voir. Regardez Montebourg qui a été promettre je ne sais quoi. Ils ont tous été montés sur des. Y compris le président de la République actuelle. Et ça, ils ne tiennent pas la promesse parce qu'ils ne peuvent pas sauver une boîte. Je suis désolée, c'est douloureux quand elle disparaît. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le ministre va arriver et décider que tout va se passer mieux. Roger Petit. Juste un mot. Intervention. C'est intéressant quand même comme débat, parce qu'on voit bien les fractures à l'intérieur de la gauche. Donc on a le Parti Socialiste avec ses difficultés, on a Macron qui prépare une mutation, puis on a François Ruffin qui arrive avec une certaine bienveillance vis-à-vis des gens qu'il veut défendre, mais à l'arrivée, il ne les défend pas, il les accable. Vous êtes en train de plaider pour une société figée dans une économie qui est en train de mourir. Donc les emplois, les emplois que vous êtes en train de défendre. Mais c'est des emplois d'avenir, ça. Non, pas les emplois de la vieille industrie. Très bien. Non, je voudrais juste terminer. Terminé, mais après, je reprends la parole. Ce que veut faire Macron, si j'ai bien compris, au contraire, c'est assurer la fluidité sur le marché du travail. Et il y a une proposition qu'il porte, et que, bien évidemment, vous ne relevez pas, qui consiste à dire. Désormais, quelqu'un qui va démissionner de son emploi aura droit aux indemnités du Pôle emploi. Pourquoi ? Parce qu'il est insensé, stupide, stérile d'entretenir là où ils sont des gens à travailler dans un travail qui ne les rend plus heureux et où ils dépérissent. Voilà, la fluidité, c'est ça le mot clé sur le marché de l'emploi et à l'avenir. Bien sûr, Manuel Lindman. Non, arrêtez de penser figé. Oui, figé. Mais qu'est-ce qui fige aujourd'hui les choses ? Ce sont les financiers dont les dividendes ont triplé par rapport à la masse salariale depuis les années 80. Ce sont en l'occurrence, c'est Barclays. C'est la banque Barclays. C'est l'actionnaire sino-australien qui a figé les choses. Parce que cette entreprise, il y a un marché pour ça. Et tant qu'on raisonnera comme raisonne monsieur, mais on n'aura pas d'industrie en France. L'Allemagne, elle n'hésite pas à fabriquer des brosses à dents, à fabriquer des crayons de papier, des crayons Bic, ce genre de choses-là. Mais tout ça, il faudrait considérer avec Emmanuel Macron et avec cette gauche de droite. C'est pas aux politiques de le décider, c'est aux chefs d'entreprise de le décider. Mais là, c'est bien sûr que oui.
Mais là, c'est politique de décider sur... C'est cette fluidité qui permet de créer des nouvelles boîtes. Super, vous avez une superbe fluidité. Vous savez que les salariés et les Français, ils vivent la fluidité d'une bonne manière que vous ne la vivez. Parce que si on imposait la fluidité à M. Bruno Roger Petit, eh ben, son salaire, il serait divisé par 3 ou 4 et il devrait aller bosser en Roumanie. Voilà ce que c'est. Parce que les salariés français aujourd'hui, ils sont mis en concurrence, on leur dit, avec des salariés roumains, avec des salariés polonais, avec des salariés indiens. La différence, c'est que pour l'instant, les journalistes, ils ne sont pas mis en concurrence de la même manière. Qu'est-ce que vous voulez contre ça? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils peuvent dire fluidité. Regardez comme c'est beau la fluidité. François Ruffin, si on peut éviter les attaques personnelles. Non, mais avec les attaques personnelles. On essaie de discuter et on vous accueille avec bienveillance, comme tout le monde ici autour de ce plateau. Et je voudrais qu'on entende Marie-Noëlle Lindemann, s'il vous plaît. Bon, d'abord, je trouve que la question qu'a posée M. Ruffin est très importante parce que c'est la question de l'industrie. C'est l'industrie, la question de la disparition d'un certain nombre de nos entreprises, notamment industrielles, avec que le pays a laissé partir ou fermer. Et que la résistance à ces départs et à ces mutations n'est pas organisée correctement et qu'Emmanuel Macron ne l'a pas fait et ne le fait pas. Je ne parle pas de la présence de la présence avec les salariés, je ne sais pas qui quoi a été retenu quand. Pourquoi je dis qu'il ne l'a pas fait? Je prends plusieurs exemples. D'abord, on a toute cette thèse que, et là je partage votre diagnostic, qui est de dire la vieille industrie doit mourir pour que la French Tech revienne en relais. Il n'y a pas de vieille industrie. Toute l'industrie, et à 80%, doit muter par rapport à l'évolution numérique ou à l'évolution de la demande. Et l'exemple allemand est particulièrement révélateur. Et quand Emmanuel Macron, où il est idéologue, c'est que quand il nous dit « il faut baisser le coût du travail », sans penser qu'ils mettent les 80%, enfin j'exagère, c'est pas 80%, une bonne partie sur Auchan, Carrefour, dont chacun voit bien que c'est quand même pas le problème de la compétitivité principale de la France. Ils refusent dans le même moment d'installer dans la longue durée une aide fiscale à la robotisation, à la numérisation et à la modernisation de l'outil productif français. Alors, ce qu'ont fait les Allemands, ce qu'ont fait les Italiens, parce qu'ils sont obsédés par l'idée, Emmanuel Macron et les libéraux, que le problème français, c'est le coût du travail. Le problème de l'industrie française, c'est son capital qui est trop tenu par les fonds de pension qu'on laisse faire et qu'on laisse fermer. Et la deuxième question de l'industrie française, c'est aussi le fait qu'on ne lui a pas donné les moyens de changer de gamme et de se muter. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a mis en place le surinvestissement. Mais il l'a abandonné, il l'a fait pendant un an. J'ai déposé cet amendement. C'est lui qui l'a mis en place. Excusez-moi, mais là, vous êtes... Votre discours est trop technique. Excusez-moi, mais là, je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Vous expliquez aux gens qu'il faut aider et qu'on est très en retard. Un robot allemand, son âge, c'est environ 10 ans. Un robot français, c'est 20 ans. Vous étonnez pas qu'on ait un problème de compétitivité. Michel Maffesoli, que vous inspire ce débat extrêmement vif, d'ailleurs, mais qui, au fond, pose des questions essentielles. Moi, je le trouve très amusant et totalement inepte, ce débat. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il correspond bien, d'une certaine manière, à cet entre-soi. D'hommes politiques, François Ruffin, il défend des salariés, C'est gentil, c'est sympathique, les militants sont toujours sympathiques. Enfin, je veux dire, c'est un peu méprisant de dire ça. Non, mais non, on peut se poser en s'opposant, c'est légitime. Il est nécessaire qu'il y ait un peu des fous du roi dans quelques domaines que ce soit. Non, mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est que, dans le fond, il y a quelque chose qui vous unit tous. Macron n'est pas hors système. Il est de ce même système. C'est un coucou, il met ses œufs dans un nid fait par d'autres, mais il reste quand même un représentant de l'élite. Et c'est cette déconnexion de cette élite qui me paraît poser problème. Un petit moment de populisme, ça fait du bien. Non, mais ce populisme, dès qu'il est question du peuple, c'est du populisme. Non, là c'est du populisme. Vous parlez à deux élus. Je considère que le peuple ne sent pas forcément mauvais. Michel Maffesoli, qui est hors système? Ça existe ou pas? Ben, on peut penser. Moi, je pense que monsieur n'est pas hors système. Bien sûr, madame Lindemann, elle n'est pas hors système, puisqu'elle est députée. Qu'est-ce que vous êtes? Je ne sais plus. Sénatrice. Députée, ça va. Non, mais d'accord, mais je parle des... Qu'est-ce que c'est que le système? Ce qui est vraiment intéressant, parce que le système, est-ce que ce n'est pas le système de la fonction publique? Est-ce que chacun a son système? Et moi, je suis désolée, on dit le système, alors on a tendance... On est dans des systèmes différents. Depuis tout à l'heure, j'ai qu'une chose à dire, c'est qu'il y a un désaccord entre la société au
officielle et la société officieuse. Et dans le fond, Emmanuel Macron fait partie de la société officielle. Oui, mais non, officieuse. Il a fait un pas vers l'officieuse. C'est ce que vous dites. On verra bien. Parce que les officiels dominants et les officiels non dominants. Non, ce qui serait intéressant de voir, c'est qu'est-ce que c'est cette nouvelle, je dirais, ces jeunes générations qui ne se reconnaissent plus. Il faudra voir en bout de course. Il y a 600 000 jeunes Français qui sont venus s'inscrire sur les listes électorales pour voter à l'élection présidentielle. On verra bien un peu plus tard. Attendez quelque peu. Hein, parce que les pronostics de cet ordre, on verra. Non, ce n'est pas un pronostic, c'est un chiffre. Il y a 600 000 personnes qui sont venues s'inscrire sur les listes électorales. Pourquoi ? Parce qu'il y avait entre 15 et 20 % de non-inscrits sur les listes électorales. Ah oui, mais c'est quand même la preuve qu'il se passe quelque chose. J'aimerais qu'on revienne à notre scénario. J'aimerais qu'on revienne au scénario du début de l'émission. Emmanuel Macron. Élu président en mai prochain, quelles seraient ses premières propositions? On lui a longtemps reproché de ne pas avoir de projet. Alors on en sait un petit peu plus sur le temps de travail, sur les cotisations, sur l'éducation. Regardez notre plein cadre. Je propose que la loi édicte des règles simples, lisibles, définisse un ordre public social qui doit être le même partout et pour tous, lui. Qui fixe la durée légale du temps de travail. Elle doit rester à 35 heures. Je propose que toutes les cotisations maladie et les cotisations chômage qui sont aujourd'hui payées par les salariés soient supprimées dans les quartiers les plus difficiles de la République, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient urbains. Dans ces endroits de la République, nous dédoublerons vraiment les classes. Si vous dédoublez une classe de CEP dans un quartier favorisé, ça n'a que peu d'impact. Si vous la dédoublez dans un quartier difficile, et quand je dis la dédoubler, ce n'est pas passer de 24 à 22, c'est vraiment de passer de 24 à 12. Là, vous avez un impact majeur. Alors, Christophe Castaner, bon, on a l'impression qu'il s'est un peu mis au boulot quand même, parce que les unes de magazines, c'est sympa, mais ça ne suffit pas pour une campagne présidentielle. Il y a des propositions. Est-ce que tout ça est réaliste? Bon, ça, on verra. Quelle est la proposition la plus importante, selon vous, d'ailleurs, dans tout ce qu'on a pu entendre à l'instant où... Non, mais d'abord, répondre à votre petite provocation, cher Bruce. J'essaie de me mettre au niveau de vous tous, mais c'est difficile, parce que vous êtes très, très bon ce soir. Il a commencé, pour répondre à Philippe, parler sur le terrain. Les marcheurs, 100 000 personnes qui ont été rencontrées des gens pendant 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ce que nous, les élus, nous faisons, et je le dis à M. Ruffin, je suis maire d'une commune de 5 000 habitants, et la distance entre mon épaule pour mettre la main sur l'épaule et me dire tout va bien, et mes fesses pour mettre un coup de pied au cul est à peu près la même. Et donc, très clairement, c'est cette démarche-là de terrain, de proximité, de diagnostic. Ouais. Ensuite, il a fait des déductions et il propose un plan de transformation sur des grands sujets, l'éducation, la formation professionnelle, l'emploi. Et très clairement, en sortant de la logique du gauche et du droite, c'est pas se renier que de sortir de cette logique-là, mais c'est la dépasser, parce que notre pays a besoin qu'on la dépasse et qu'on fasse des réformes. Donc parmi les réformes importantes, effectivement, celle de la formation professionnelle, celle de faire en sorte qu'on ne défende pas un code du travail qui, au fond, ne s'applique pas à ceux qui rentrent sur le marché du travail, mais plutôt un droit au travail, un droit réel au travail. C'est ça, notre enjeu. Il y a autre chose que j'ai noté, l'UNEDIC. Il voudrait que ce soit nationalisé, géré par l'État. Aujourd'hui, ça a l'air comme ça d'être un peu abstrait, pour encore une fois, pour ceux qui nous regardent, mais c'est une révolution, ça, pour le coup. Aujourd'hui, Pôle emploi est financé par les cotisations des salariés et des entreprises. Et donc, plus vous avez d'activités et d'emplois, plus vous avez de recettes. Ça tombe mal, c'est l'inverse qu'il nous faut. C'est faire en sorte qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, vous avez beaucoup de chômeurs à indemniser et très peu de capacités ou insuffisamment de capacités à les financer. Résultat, 30 milliards d'euros de dette. Donc oui, il faut nationaliser cette dette pour ouvrir de nouveaux droits, comme celui du droit à la démission, pour pas qu'on soit enfermé dans son obligation de garder son boulot. François Ruffin, juste sur ce point précis, est-ce que ça... Non. Rendre ça ne vous parle pas. Moi, j'ai une mesure qui me parle beaucoup. Est-ce qu'il y a, parmi toutes les propositions, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement agacé ou énervé ou une positive, hein? Non, mais qu'on dédouble les classes, personne ne va être contre. Maintenant, après... Le salaire net et le salaire brut, vous avez entendu ça? Oui, oui, mais Emmanuel Macron dit qu'il faudrait rapprocher les deux. Après, la question, c'est comment on va... Moi, je suis pour dédoubler les classes, et puis je suis aussi pour qu'il y ait des embauches à l'hôpital et tout ça, mais comment on fait ça si on considère que la hausse de l'impôt sur le revenu, c'est Cuba sans le cap... Enfin, je ne sais plus sa formule, c'est quoi? Cuba sans le soleil.
quand il y a eu la proposition, parce que Emmanuel Macron a, aujourd'hui il veut être président de la République, mais il a contribué à être à forger la politique qui s'est déroulée pendant cinq années aux côtés de Hollande et même avant l'élection, puisqu'il a contribué à miner les propositions de gauche qui pouvaient être celles de Hollande. Il a contribué à les miner dès avant son élection. Donc, vous savez, il y a une mesure, puisque vous cherchez une mesure qui pour moi est très symbolique, c'est que on a besoin d'entrepreneurs, on est tous d'accord, parce qu'il faut des emplois. On a aussi besoin de salariés bien payés. Absolument, mais d'accord. Mais il a proposé une chose très simple, c'est que tous ceux qui prennent des risques, les petits qui prennent des risques, ils n'ont pas de chômage. En l'occurrence, les commerçants, les professions libérales, ils arrêtent du jour au lendemain, leur commerce ne marche plus, ils n'ont rien. Tous ceux qui prennent des risques, aujourd'hui, n'ont rien. Et je trouve que c'est très important de mobiliser autour de gens qui risquent leur argent, qui ne sont pas des grands patrons, et proposer le chômage pour ces gens-là me semble très intelligent. Bruno Roger Petit. Sur le rapport au travail, il y a quelque chose aussi qu'il porte qui est assez nouveau, qui consiste à dire le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, verrouillé avec le code du travail, finalement produit des effets qui ne sont pas protecteurs. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui sont en place, qu'il appelle les insiders, qui sont des privilégiés qui ne risquent rien. Et puis à la porte, mais si c'est vrai, et à la porte, vous avez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui sont à 70% au chômage sur les 18-24 ans. Bon, et ceux-là, on leur dit non, stage, CDD, et puis au bout du deuxième ou troisième CDD, on verra si on le garde. Donc il y a quand même aussi l'idée, malgré tout, je suis désolé, Marine Le Pen, mais c'est ça. Il faut à un moment s'attaquer c'est ce que disent les libéraux depuis... Mais non, mais c'est pas un truc libéraux, c'est être social. C'est pas parce que c'est libéral que c'est idiot. Je vais expliquer. On ne peut pas continuer un marché du travail où il y a les privilégiés verrouillés derrière. Mais c'est une réalité. Et puis vous avez les jeunes, vous avez les jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui sont bloqués. Bloqué. Mais ça aussi, c'est une réalité. Et c'est un des plus grands échecs de la gauche au pouvoir. Marie-Noël Lindemann. C'est pas moi qui va défendre ce qui a été fait dans ce quinquennat, car justement, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour régler le problème du chômage, et notamment du chômage des jeunes. Mais effectivement, Emmanuel Macron, quand vous dites c'est nouveau, mais c'est vieux comme Hérode. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que le problème, c'est qu'il faut tout déréguler pour que les insiders soient moins protégés. Non, il ne faut pas déréguler, il faut réorganiser. Oui, c'est ça. Enfin, bon, en poliment, c'est ce que ça fait. Non. Oui, bien sûr. Pas. Et en réalité, c'est la loi El Khomri en multiplié par 10 ou par 20 que nous propose. Absolument. C'est-à-dire, il faut déstructurer le code du travail, les protections sur les salariés qui ont, paraît-il, trop de protections aujourd'hui, et ça va donner du boulot aux gens qui sont exclus ou en difficulté ou chômeurs. Ça, c'est le discours que tiennent tous les libéraux depuis 30 ans. On est le seul pays qui ne faisons pas ça. Si vous, non, mais justement, ce n'est pas vrai. D'abord, on a beaucoup dérégulé le code du travail en France. Et on a rajouté des articles. Est-ce que c'est ça qui a réglé les problèmes dans les autres pays? Pourquoi aujourd'hui, Trump fait le score qu'il fait aux États-Unis? Pourquoi il y a eu le vote au Brexit? Pourquoi il y a la montée de l'extrême droite dans plein de pays? Parce que le cœur du salariat... En Angleterre, il y a 5% de chômage. Oui, donc, ce n'est pas ça qui explique le Brexit. Mais c'est parce que justement, c'est autre chose. C'est votre regard du chômage. Ben non, c'est le chiffre. Non, c'est 5%. Ils sont en plein emploi. Ils ne sont pas en plein emploi. Il y a des masses de travailleurs pauvres. Ils sont censés être travailleurs. Attendez. Ils ne sont pas chômeurs, mais ils n'arrivent pas à vivre de leur boulot. François Ruffin. Donc la question centrale, est donc Emmanuel Macron nous propose de la plonger vers ça. Et quand il nous dit dialogue social, il adore le dialogue social dans la simple entreprise où il y aurait le minimum de protection, et l'UNEDIC, qui est normalement géré paritairement par les syndicats, alors là, il veut que ce soit l'État, avec une formule terrible. C'est celui qui paye qui doit décider. Ça, c'est une formule de droite. Ça veut dire que, par François exemple... Tu es contre la maîtrise publique? Non, je suis pas... cotisations... Je suis pour garder le paritarisme. Marie-Noël Lindemann, parce que les cotisations des salariés, c'est eux qui les payent. S'il vous plaît, il faut que chacun puisse parler. Merci beaucoup. Pas parce qu'on a 30 milliards d'euros François de dette. François Ruffin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Il nous reste encore quelques minutes d'émission. François Ruffin. Non, mais quand Marie-Noël Lindemann dit ça va être la loi Macron puissance 20, on voit Sophie de Menton qui approuve et qui dit oui, ça sera la loi Macron, la loi El Khomri puissance 20. Ah oui, elle a été tronquée complètement. On voit ce qui se dessine derrière ce mot-là. Et puis alors, moi quand j'entends, on me dit que ce sont les privilégiés qui ne risquent rien, et que les privilégiés qui ne risquent rien, ce sont les personnes qui, par exemple, vous savez, au moment de la campagne présidentielle en 2012, j'étais auprès des salariés des caissières, de ED,
à Albertville. Les caissières de ED qui, pendant 4 ans, ont fait grève tous les dimanches matins parce qu'elles refusaient de travailler le dimanche matin. Elles étaient soutenues à l'époque par les élus socialistes du coin qui disaient, qui parodiaient Obama et qui disaient « Yes, weekend ». Nous, contre la droite, nous préserverons le week-end. Et finalement, Macron a fait exactement l'inverse. Bon, voilà, les privilégiés, ce sont eux, alors que Macron ne va jamais s'attaquer à ses amis à lui. Je veux dire, Macron, c'est, il a fait son pognon... C'est sur... ses amis à lui, tout c'est ça. C'est quoi, ses oui, amis bah, à lui si, bah, ses amis à lui. Je veux dire, il a travaillé pour la banque Rothschild. Oh. Mais oui, bah oui, bah voilà. Henri Emmanuel aussi, il a travaillé pour la banque Rothschild. Pardon. Henri Emmanuel. Oui, c'était dans les années 70, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, moi, je n'ai pas le CV de tout le monde. Mais le fait d'avoir une vraie vie, ça pose un problème. Attends, une vraie vie, voilà. Alors ça, c'est le truc super aussi. Oui, c'est la vraie vie. Nous voilà dans... Nous voilà dans le réel, nous sommes dans la vraie vie. La vraie vie, c'est la banque Rothschild, la vraie vie, c'est l'ENA, la vraie vie, c'est Sciences Po, et la vraie vie, c'est de se faire sa fortune sur les fusions acquisitions. Voilà votre vision de la vraie vie. Ouais, très bien. Mais non, la vraie vie, c'est... Pourquoi ne pas assumer... Attendez, pourquoi la vraie vie sur les salariés 2D le dimanche matin aussi. S'il vous plaît, François, pourquoi ne pas assumer le fait qu'Emmanuel Macron ait travaillé à la banque Rothschild? Mais je l'assume et je trouve que c'est une qualité. Voilà. Je trouve que c'est une qualité parce que justement, il a mené plusieurs activités professionnelles plutôt que d'être un apparatchik du Parti socialiste. Parce que ça arrive. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, Rothschild, cher Marie-Noël? Je m'excuse, j'ai vu la loi bancaire. Marie-Noël, si tu permets, allez, puisque aller jusqu'au bout, plutôt que d'être un apparatchik, attaché parlementaire, je te dis pas pour toi, député, ministre, et de penser qu'on peut faire de la politique. Il aurait pu s'en engager à la CGT, à la CFDT, il aurait pu s'en engager à Solidaire et devenir un cadre de Solidaire ensuite. Je peux parler, je voudrais dire que sur la question du travail du dimanche, j'ai vu aujourd'hui un grand magasin, une grande enseigne avoir un accord avec les salariés pour l'ouverture du dimanche, avoir 150 postes créés au BHV, 500 aux Galeries Lafayette. Le doublement du salaire pour ceux qui travaillent, ça a été négocié avec les salariés. Et les salariés ont été d'accord pour que ce soit mis en œuvre. Et je me dis que finalement, qu'aujourd'hui, ces grandes surfaces qui sont ouvertes grâce à l'autorisation donnée par le Conseil municipal de Paris sous l'autorité d'Anne Hidalgo, avec beaucoup de difficultés, très clairement, ça va augmenter leur chiffre d'affaires et donc l'activité. Mais ça va réduire. Je trouve que c'est vraiment pas si grave. On regarde ensemble, je voudrais qu'on regarde ensemble, parce que dans l'histoire de la Ve République, d'autres personnalités ont tenté l'aventure sans parti traditionnel. Alors, on compare parfois Emmanuel Macron à un personnage que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, Jean-Jacques Servan-Schreiber, JJSS, fondateur de l'Express. Général, c'est l'un des deux. Et il voulait changer la société française. Regardez cette archive de 1973. Qui est Jean-Jacques Servan-Schreiber? Un journaliste, un homme d'affaires, un leader politique? Un personnage qui dérange les idées reçues, ou tout à la fois? Vos adversaires disent que vous êtes un personnage à part dans le milieu politique. J'espère bien. J'espère bien. Quand on voit le milieu politique, vous m'êtes un petit peu à part. Vous êtes satisfait d'être à part? Enfin, qu'ils disent que je suis à part, ceux-là, oui. Que je ne suis pas comme eux, ça me fait grand plaisir. Bien, mais ils disent aussi que vous êtes un personnage, permettez-moi la formule, un personnage de théâtre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, eux sont des spectateurs. Alors j'aime mieux être acteur. 1970, Wagram, déjà, c'est le triomphe du manifeste radical, un projet de société qui rassemble pour un temps les anciens et les nouveaux radicaux. Jean-Jacques Servan-Schreiber et leur Kennedy, une famille, des méthodes nouvelles, une approche de la politique que certains jugent révolutionnaire. Révolution, d'ailleurs, c'est le titre du livre d'Emmanuel Macron. Michel Maffesoli, quand vous voyez cette archive, 1973... Qu'est-ce que ça veut dire, le mot révolution, revolver, c'est le retour du même? Et donc, la vraie révolution de Macron, c'est qu'il veut faire revenir des mêmes choses. Je dis, c'est un homme du système qui ne comprend pas ce qui est en jeu actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est le réel, la réalité, mais en tout cas, c'est revenir à ce qui est alors du proche, de la proximité. Et je maintiens que ce qu'il a né en fait, de tous ces programmes ne renvoie pas à cette proximité. Et c'est en ce sens, si vous voulez, que j'ai dit tout à l'heure, c'est le spectacle, c'est la théâtrocratie. C'est beau, comme un feu d'artifice. Oui, à la fin, on dit la belle bleue. Hein, et puis après, il faut revenir à la réalité. Il y a une question politique qui se pose, Bruno Roger Petit. Est-ce qu'il va être le fossoyeur du PS? Bah, c'est tout l'enjeu de la période qui s'ouvre, c'est ce que j'allais vous dire. Par rapport à 1973, où Jean-Jacques Servan-Schreiber avait en face de lui Giscard d'Estaing, Mitterrand à gauche. Qui était déjà soi-disant très vieux. Qui était déjà soi-disant très vieux. Bon, il y avait quand même des puissances politiques. Là, effectivement, on est confronté à un phénomène nouveau, qui est la fin du cycle du Parti socialiste qui s'est ouvert à Épinay avec Mitterrand, avec un Parti socialiste en crise, avec des gens qui se présentent, on va le voir pendant les primaires, qui ne sont d'accord sur rien les uns avec les autres, avec le sentiment...
sentiment que tout est en train de se déliter. Parce que les socialistes ont beau nous rechanter le couplet de 2002, c'est le méchant Emmanuel Macron qui va nous faire perdre. Non, c'est Jospin qui a perdu tout seul en 2002. Mais il faut le remercier de ça. Et ce sont les socialistes qui sont en train de, en ce moment en tout cas, tisser eux-mêmes la toile dans laquelle ils se prennent. On termine avec un sourire quand même, avec cette question. Emmanuel Macron a-t-il besoin d'un coach vocal? Regardez. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France. Bon, clairement, là, c'est vraiment une opinion qui n'a rien de politique, mais il y a un problème, là, quand même. Oui, parce que... Non, mais c'est Alors, tout Bruno, bête. En général, c'est aux femmes. Truc d'orateur à l'ancienne, il a parlé avec la gorge. Ouais. Et il faut parler avec la poitrine. Et donc, il est en train d'apprendre à parler avec la poitrine. Cela étant, ce moment est assez intéressant parce que on s'est moqué, et puis dans le même temps, vous avez beaucoup de gens qui disent oui, mais au moins, il est sincère. Oui, c'est ça qui est assez étonnant. J'ai entendu qu'il travaillait avec un chanteur d'opéra. Il a un et ça, c'est pas mal non, aussi moi, d'avoir de l'énergie. Moi, personnellement, je pense que c'est en général pour sortir du jeu la critique théâtral, qu'on justement. Fait aux femmes. Hein, on partir dans les grues, l'aigu quand on est passionné. Attention. Dans l'aigu quand on est passionné. Je pense que c'est relativement secondaire. Je pense que bien sûr, c'est un clin d'œil pour terminer l'émission. Je vous confirme. À ce qu'a dit monsieur. D'un mot, parce que c'est le terme de l'émission. Je pense que le Parti socialiste, effectivement, la situation n'est pas comparable avec les années 70, parce que les partis, en général, et les partis de gauche en particulier, PS, PC, sont dans un affaiblissement considérable. Mais pour autant, faire croire qu'on va faire naître quelque chose de neuf uniquement autour d'un homme, et non pas à travers la structuration d'un projet qui oblige à synthétiser des parcours politiques, des idées, des histoires, ça c'est un leurre, et en cela ça risque de... Merci beaucoup. C'est la merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis, vous qui nous regardez ce soir sur France 5. Dans un instant, le doc du dimanche, monument 5 étoiles, l'histoire d'édifices historiques transformés en hôtels. Aucun rapport bien sûr avec le Parti Socialiste. Très bonne soirée sur France 5.